bien que les chiens Beagle soient à l'origine des chiens de chasse, ils sont aujourd'hui devenus l'animal de compagnie idéal. Bien sûr, c'est une race hyperactive qui aura besoin de propriétaires très actifs, qui font beaucoup d'exercices et sont prêts à jouer avec eux, si possible dans les espaces ouverts. Mais ils n'en font pas moins de formidables compagnons de vie. Une belle amitié. Dans la vidéo que vous allez découvrir ci-dessous, force est de constater que le Beagle visiblement élevé avec un chat et une chèvre est devenu très ami avec ses compagnons pas tout à fait comme les autres. D'ailleurs, la maîtresse des trois amis le confirme, ils forment tous une belle équipe et adorent jouer ensemble dès que l'occasion se présente. Et personne ne peut leur résister quand ils s'amusent tous les trois, personne. Produits ménagers et animaux domestiques, ce que vous devez savoir. Fièvre, tremblement, soif inhabituelle, convulsions, diarrhée, troubles respiratoires, intestinaux ou de la vision. Si votre chien ou chat présente un ou plusieurs de ces symptômes, il se peut qu'il ait ingéré un produit ménager. Dans de nombreux cas, il aurait suffi de quelques précautions pour que le drame soit évité. Notre solution ? Adopter les produits d'entretien naturels, sains et efficaces. La dangerosité des produits d'entretien pour notre santé n'est plus à prouver. Mais saviez-vous qu'ils sont aussi dangereux pour celle de nos animaux de compagnie ? Dans le contexte actuel, plusieurs millions de personnes sont confinées chez elles, désinfectant et nettoyant frénétiquement leur intérieur, sans se douter qu'elles sont potentiellement en train d'empoisonner leurs animaux de compagnie. Petit guide des risques et des solutions pour entretenir son intérieur sans risquer la vie de son animal de compagnie. Quels produits sont concernés ? Il existe différents produits d'entretien contenant des ingrédients toxiques qui peuvent potentiellement être dangereux pour nos animaux. Ces ingrédients toxiques comprennent l'ammoniac, le chlore, les éthers de glycol, le formaldéhyde. On retrouve ces substances principalement dans les produits ménagers suivants. Les liquides de vaisselle. Les liquides de vaisselle sont dangereux pour les animaux en raison de leurs propriétés irritantes mais également parce qu'ils produisent de la mousse. Une fois en contact avec les voies respiratoires, la mousse peut entraîner une toux, des difficultés respiratoires voire une pneumonie. L'eau de Javel, qu'elle soit sous forme concentrée ou directement intégrée dans des nettoyants, l'eau de Javel entraîne des brûlures importantes chez l'animal au niveau des babines et de la gorge. Les lessives, les chats sont très particulièrement attirés par les produits parfumés aux huiles essentielles, ce qui est très courant dans le cas des lessives. Ces dernières sont l'une des causes les plus courantes d'allergies cutanées. Comme dans le cas du liquide de vaisselle, le plus dangereux reste le passage de la mousse dans les voies respiratoires. Les déboucheurs de WC, les nettoyants pour cuvettes de toilette peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie. Souvent conçus à base d'acide, ces produits entraînent des problèmes digestifs chez l'animal qui en a consommé. Les nettoyants pour vitres et sol, bien qu'ils puissent sembler simples et inoffensifs, les nettoyants pour vitres et sol contiennent souvent de l'ammoniac. Ces produits provoquent une irritation des yeux et des poumons et peuvent avoir de graves répercussions sur la santé de nos animaux à long terme. Quelle solution ? La prévention en trois gestes simples. Si vous utilisez des nettoyants toxiques, rangez-les systématiquement après usage et conservez-les de manière à être hors de portée de votre animal. Ne les utilisez jamais lorsque votre animal et vous êtes dans la même pièce. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser des nettoyants ménagers. Des produits ménagers sains et efficaces. Il existe de nombreux produits d'entretien sains, écologiques, et sans danger pour les animaux de compagnie. Parmi les marques de produits ménagers non toxiques, la marque En Moins propose des produits d'entretien ménager élaborés à partir d'ingrédients naturels, efficaces et biodégradables, affichés en toute transparence sur les emballages. Conçus sans rejet toxique et sans gaspiller d'eau, les produits sont sûrs et sains pour l'environnement et pour celles et ceux qui les emploient. La marque En Moins a développé une gamme complète de produits d'entretien pour le linge, la vaisselle et la maison. Vaisselle. Les tablettes vaisselle tout en un de la marque En Moins sont conçues pour le lavage de la vaisselle. Son rinçage et sa brillance, est efficace dès 45 degrés C, même en cycle court. Constituées à 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle, leur formule est certifiée par le label indépendant Ecocert.
lessive. Formulées pour limiter les risques pour la santé, les dosettes de lessive universelle de la marque en moins nettoient et parfument le linge. Sans conservateurs, colorants, zéolithes, EHA ou phosphonates, elles sont composées à 88,40% d'ingrédients d'origine naturelle. Nettoyant. Les 4 recharges concentrées pour l'entretien de la maison sont destinées au nettoyage de la cuisine, de la salle de bain, des vitres et de toutes les surfaces. La marque en moins a développé un anti-calcaire, un dégraissant, un produit multi-surface et un anti-trace. Le naturel. Des ingrédients de la vie de tous les jours peuvent facilement se substituer aux produits ménagers classiques. Parmi eux, on retrouve le bicarbonate de soude, mélangé avec de l'eau chaude. Le bicarbonate de soude peut être utilisé pour nettoyer les plans de travail et éviter tâcher. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un nettoyant tout usage efficace pour nettoyer les salles de bain, les fenêtres et la cuisine ou les taches tenaces au sol. Le jus de citron. Le jus de citron est une excellente alternative pour un nettoyant tout usage. Couplé au bicarbonate de soude, il peut être utilisé sur la plupart des surfaces. Toutefois, prudence est de mise. Il est conseillé de bien faire attention aux recettes que l'on utilise et aux dosages, qui peuvent avoir l'effet contraire que celui escompté s'ils ne sont pas respectés.